baisse de chiffre d'affaires, arrêt d'activité forcé, de nombreuses petites entreprises de la métropole sont impactées durablement par la crise du Covid-19. Pour leur venir en aide, Bordeaux Métropole a mis en place un fonds d'aide d'urgence de 15,2 millions d'euros. Depuis le 11 mai, près de 2500 entreprises sur les 28 communes de la métropole en ont bénéficié. Ce sont 7000 emplois qui ont ainsi été soutenus. Bordeaux Métropole a décidé d'aider les entreprises de 1 à 5 salariés qui ont subi une perte de chiffre d'affaires minimale de 40% entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020. Et par rapport à ça, donc, elles peuvent toutes bénéficier d'une aide forfaitaire de 1 500 euros dans ces conditions-là. Et dès lors qu'elles ont plus de 2 salariés, elles peuvent toucher un bonus de 1 000 euros, ce qui leur fait toucher 2 500 euros d'aide dans ce cas de figure-là. Pour certains secteurs très touchés comme l'hôtellerie, elles peuvent aller jusqu'à 9 salariés pour bénéficier de cette aide. Pour en bénéficier, c'est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne mise en place par Bordeaux Métropole en partenariat avec la CCI. Une fois votre dossier rempli et envoyé, vous recevrez un avis au bout de 10 jours et en cas d'accord, le paiement de nouveau 10 jours plus tard. Depuis le 11 mai, près de 2500 dossiers ont été déposés et quasiment 5 millions d'aides accordées à quelques 2400 entreprises. C'est vrai que cette aide était la bienvenue, c'était un peu une surprise, mais une bonne surprise. Effectivement, notre chiffre d'affaires s'est vu énormément baisser pendant cette période de confinement, moins 80%, moins 70% sur les deux premiers mois. Donc effectivement, ces 1 500 euros étaient les bienvenus. J'ai trouvé ça très simple, hein, en quelques clics, avec quelques justificatifs, le dossier était bouclé et le versement s'est fait aussi très rapidement derrière. Le fonds d'urgence de Bordeaux Métropole est cumulable avec les autres dispositifs régionaux et gouvernementaux. Et pour les associations, une aide de Bordeaux Métropole a également été mise en place.